C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. On vous demande d'applaudir avec nous, Monsieur Jean Baptiste. Bonsoir. 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 Voilà. C'est moi l'agriculteur, en fait. Bon. Bon. Et puis, il vous a raconté le début. Du coup, moi, je suis arrivé à Paris pour faire du théâtre, hein, au cours Florent. Bon, vous connaissez tous un peu le cours Florent. Hein. C'est cette école de théâtre assez renommée. Au final, un centre de désintoxication à Vaniteux. Alors moi, là-bas, j'avais ma petite technique de drague. Tu vois, bon, dans la pratique, ça donne ça. T'avais des vaches. Un tracteur et tout. Sérieux, t'avais des petits veaux. Oh, mais c'est trop mignon! C'est incroyable ton histoire, quoi! T'as tout quitté! T'as tout quitté! T'as tout quitté! Pour vivre ta passion à Paris! C'est ouf! Moi, j'aurais jamais pu faire ça! Hein. Eh oui, c'est comme ça! Je suis qu'un idéaliste. Je crois trop en l'amour. J'ai besoin de trouver une muse. Tu comprends? Bon, petit plus pour bien huiler la mécanique. La faire boire. Ah, oh, je suis pété, quoi. Et sérieux, t'écris quoi? Des poèmes, des chansons, du cinéma, du théâtre? Dis-moi, ça m'excite. J'ai montré ma dernière pièce de théâtre au prof de Florent. Ils m'ont dit, waouh, c'est un véritable chef-d'œuvre. Mais tu vas la monter? Ta pièce, hein. Tu penses déjà à des comédiennes? Il me manque que le rôle principal. Isabaude. La déesse. J'ai bien mon idée sur celle qui serait vraiment parfaite pour ce rôle, mais... Je la connais, c'est qui? C'est un truc de ouf, je la connais ou quoi? Vas-y, je suis un plus putain, il fait chaud ici. Écoute, Ludivine. Tu m'inspires. Les mots me viennent quand je pense à toi. Tout à l'heure, j'étais sur les quais de Seine avec ma petite guitare. J'ai composé un truc vite fait, comme ça. Mais... Tu joues de la gratte en plus! Oh, mais t'es trop chou! Vas-y, fais voir. Ah. Elle se désaccorde avec la chaleur. Si trop souvent, quand le désir me presse, tout affamé de plonger dans tes yeux, vois ma guitare telle une arbalète,
se dresser pour ta rosée de sornette. Allez, viens. C'est bien. Tiens-la bien, ma main. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Dans mon cœur, pardonne-moi, ma mortelle déesse, si trop souvent je pense à tes beaux yeux, même si des fois j'aimerais tellement mieux, sans te brusquer, te montrer ma tendresse. Je crois qu'il est en train de se passer un truc de ouf, là. C'est quoi ce silence? Je suis pas un monstre, hein. Yo, je me comportais très bien. Je l'ai raccompagnée chez elle. Ah, vous aimeriez bien savoir. C'est dommage, je joue à Lyon. Bon, à la rigueur, je veux bien revenir dans un an pour vous montrer tout ça. Merci. Jean-Baptiste. Je suis ravi de te revoir, Jean-Baptiste. Le spectacle s'appelle La Revanche du Terroir. C'est ça. Et puis ça cartonne au Boui-Boui de Lyon. Ça cartonne vraiment. C'est ce qu'on dit. Parce qu'au départ, on voulait y aller juste pour 6 mois, puis ouais. Après, ça a été prolongé 9 mois, ouais. Puis là, c'est carrément 1 an, quoi. Ouais. Alors, ça veut dire que tu auras eu plus de 300 représentations, tu vas devenir... On verra bien. Eh bien, le public lyonnais est vraiment super et adore rigoler, donc c'est le principe... C'est le principe du métier. C'était bien aussi ce soir. Hein. Ouais, très cool, très sympa. Parisien qu'on retrouve. Très chouette. Si vous avez l'occasion d'entendre parler de Jean-Baptiste, ou si vous avez des amis à Lyon, ou si d'ici avril vous allez vous balader à Lyon, on n'est qu'à 2 heures de TGV, allez voir La Revanche du Terroir. Venez, j'ai un clic-clac. Hein, t'as quoi? Il y a un clic-clac pour tous vous accueillir. Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci.